Bonjour, ici Flo Piano. Bienvenue sur ce tutoriel où nous allons apprendre à créer un beat à partir de la fonction Seal Creator du PSR S770 de Yamaha. Si vous n'avez pas ce modèle de clavier, sachez que cette fonction est également disponible sur les modèles anciens de Yamaha, même ceux qui datent de 18 ans. Donc ce ne sera pas un problème pour vous pour pratiquer ce tutoriel. Alors, comment va se dérouler ce tutoriel? Dans un premier temps, je vais vous faire un topo sur la structure des données de style. Ensuite, je vais vous montrer un cas pratique. Je vais créer un beat, vous allez me voir faire, et vous pourrez vous en inspirer pour créer vos propres beats. Ensuite, je vais utiliser ce style pour jouer ce qu'on a envie de jouer, vous allez découvrir. Donc, si vous avez votre clavier devant vous, vous êtes prêt. Allons-y, commençons. Première chose, abordons la structure de données de style. Alors, ce qu'il faut savoir à propos de la structure des données de style, c'est qu'un style est constitué de différentes sections. Donc, si vous regardez bien sur le clavier, vous allez voir ici trois sections pour la partie introduction du style. Vous allez voir quatre sections pour la partie principale du style, une section pour la partie brique et trois autres sections pour la partie fin du style. Il faut savoir que chacune de ces sections possède 8 canaux distincts qui sont appelés des motifs sources. La fonction Seal Creator va vous permettre ainsi de créer un style en enregistrant séparément le motif source de chaque canal ou en important des données de motifs à partir d'autres styles existants. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si vous voulez créer votre propre style à partir de votre propre inspiration, vous allez en fait dans chaque section enregistrer tous les 8 canaux de la section. Voilà. Donc maintenant qu'on a abordé la structure de données de style, on va passer au cas pratique. Vous allez voir comment on crée un beat tout simple. Alors, nous abordons la partie la plus intéressante de ce tutoriel. Donc, ensemble, on va créer un beat tout simple en utilisant le Seal Creator. Alors, selon les modèles de clavier, la façon d'accéder à cette fonctionnalité est différente. Donc, pour celui-là spécifiquement, il faut appuyer sur Function. Une fois que vous y êtes, vous allez voir deux onglets ici, menu 1, menu 2. Vous allez aller dans menu 2, puis vous appuyez sur Seal Creator pour accéder à la fonctionnalité. Donc là, vous avez bien accédé à la fonctionnalité. Vous voyez ici qu'il y a plusieurs onglets. Il y a l'onglet Basic, il y a l'onglet Assembly, Growth, Channel, Paramètres, Edit. Donc ici, on va utiliser l'onglet Basic. Donc, le beat qu'on va créer, on va le créer en utilisant du loop recording. Donc ça consiste à quoi? Dans le loop recording, ça veut dire en fait enregistrer. On va enregistrer un motif qui va se répéter indéfiniment. Donc ici sur l'écran, vous voyez bien qu'on est bien sur la section Main A, partie principale A, est ici. Donc cette section, vous la voyez lumineuse. Les autres sections ici, elles sont pas lumineuses parce que voilà, on n'est pas sur cette section, on est sur la section A. Ensuite, vous avez ici le Pattern Length qui est réglé par défaut sur 1. Donc c'est quoi le pattern length? Ici, ça va être la longueur de notre motif. Vous voyez bien ici qu'on peut modifier la longueur de notre motif en fonction de ce qu'on veut faire de notre beat. Donc vous pouvez modifier cette longueur jusqu'à une valeur de 32. Donc ça veut dire que le motif que vous allez enregistrer, il va se répéter 32 fois. Ensuite, pour commencer à créer votre beat, il faut déjà savoir quelle est la mesure de votre beat et quel est le tempo. Le tempo ici, ça va être la vitesse de votre beat. Donc ici par défaut, la mesure est réglée à 4/4 et le tempo est réglé à 120. Donc ici, on va faire un beat sous une mesure 4/4. Et un tempo de 120. Donc pour commencer, vous allez cliquer ici sur New Style. Là.
Une fois que c'est fait, donc je vais vous parler des différents canaux de notre section. Donc je vous ai dit, on est sur la section A, il y a 8 canaux ici. Donc on a 2 canaux pour les rythmes, pour ce qui est batterie. Donc on va les enregistrer dans ces 2 canaux-là. Ensuite, on a un canal pour les basses. Donc ici, on peut mettre des guitares basses. Ici, on a 2 canaux pour qui s'appellent corde 1 et corde 2. On va ici rajouter des instruments, ça peut être du piano, de la flûte, de la trompette. Ici, on a notre canal pad et 2 autres canaux, phrase 1, phrase 2. Alors ici, ce qu'on va faire d'un premier temps, on va utiliser le canal rythme 1. Donc dans rythme 1, on va enregistrer de la batterie. Donc ici, vous voyez qu'il y a 8 boutons ici. Et il y a un bouton, une flèche vers le haut, une flèche vers le bas. Donc vous allez cliquer sur la flèche vers le haut ici pour pouvoir choisir le type de batterie que vous voulez. Vous voyez qu'il y a vraiment il y a plusieurs différentes batteries ici. Donc on va rester ici sur du Power Kit 1. Et avant d'enregistrer, il faut déjà que vous jouiez ce que vous voulez enregistrer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer ce motif-là. Maintenant que vous savez ce que vous voulez enregistrer, on va passer vraiment à l'enregistrement. Ce que je vous propose, c'est d'écouter d'abord le métronome pour si vous n'arrivez pas à bien vous caler sur le rythme, le métronome va vous permettre de ne pas être désynchronisé. Voilà, là vous entendez le métronome, il bat les mesures. Donc ici, on a une mesure 4 sur 4. Donc, on fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ainsi de suite. Et dès qu'on sera prêt, on va enregistrer notre motif. Donc là, vous voyez que notre motif est enregistré, mais on n'est pas très synchronisé. Donc ce qu'on va faire ici, si par exemple vous vous trompez sur l'enregistrement d'un canal et que vous voulez le modifier ou l'effacer, il y a une fonction ici qui s'appelle Delete. Vous allez maintenir ici et vous allez cliquer sur le canal correspondant pour effacer les données que vous avez enregistrées. Voilà, là c'est fait. Là, si vous faites play, vous avez le métronome qui joue. Donc ça veut dire que la donnée a été bien effacée sur le canal correspondant. Donc on va refaire proprement notre enregistrement. Là, vous remarquez que c'est beaucoup plus propre, c'est bien synchronisé. Voilà, si vous refaites start, vous voyez que ça joue bien. Et là, on est vraiment dans du loop recording parce que le motif qu'on a enregistré va se répéter indéfiniment. Si vous voulez aussi, vous pouvez enrichir le beat qu'on vient de créer en rajoutant d'autres choses.
voilà, on a rajouté un petit truc à notre beat. Vous voyez que ça s'enrichit de plus en plus, ça commence à prendre forme. Voilà, je viens de vous montrer comment créer la partie batterie sur les deux canaux de batterie. Vous voyez que ça donne quelque chose d'assez bien, quoi. Donc vous pouvez rejouer ça. Donc ce qu'on va faire par la suite, c'est rajouter de la basse, de la guitare basse. Alors ici, vous avez Rec Channel, vous maintenez ici et vous sélectionnez la piste de canal correspondant au bass. Vous allez appuyer ici sur la flèche du bas. Et là, vous voyez bien que ça passe en rec ici. Ça veut dire qu'on s'apprête à enregistrer sur la piste des basses. Donc, ce qu'il faut faire déjà, c'est choisir la guitare basse qu'on veut. Donc, on va cliquer sur la flèche du haut. Donc pour résumer, en fait, sur ces touches-là, en bas, vous allez choisir la piste. Et sur le bouton où la flèche va vers le haut, vous allez sélectionner l'instrument. Donc là, on sélectionne notre instrument. Donc là, j'ai déjà une guitare basse que j'ai mis dans mes réglages. Je vais sélectionner celle-là. Ensuite, on va essayer de... Voilà, on a notre rythme ici. On va réfléchir à comment on va jouer cette guitare basse. Donc là, on remarque déjà que la guitare basse est trop aiguë, on va un peu diminuer. Voilà, on peut partir sur ce motif de guitare basse là. Allez, on essaie d'enregistrer ça. Voilà, vous voyez bien que la guitare basse se répète aussi avec tout ce qu'on a enregistré auparavant. Voilà, une fois que c'est fait, on va enregistrer la piste corde 1. Donc sur la piste corde 1, ce que je vais faire, allez, je vais me mettre sur un piano électrique. Donc là, je vais choisir ce piano-là. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est enregistrer le canal corde 2. Donc sur ce canal-là, bon, j'ai eu l'idée de mettre une brasse dessus. Après, vous pouvez faire comme vous le sentez. Voilà. Donc je vais choisir cette brasse-là.
Donc voilà, j'ai terminé pour la démonstration. Donc vous avez vu ici qu'on a utilisé 5 canaux au lieu de 8. Si vous le voulez, vous pouvez utiliser les autres canaux pour enrichir plus ce bit. Voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer ce bit et on va pouvoir l'utiliser pour jouer ce qu'on veut. Voilà. Donc là, vous allez faire Exit. Vous allez voir Save ici pour enregistrer. Vous cliquez sur le bouton correspondant. Là, on va l'enregistrer. Donc, et là, ici, sur l'écran, vous allez voir Save. Donc, vous allez appuyer sur le bouton du bas ici pour enregistrer. Donc, une fois que c'est enregistré, vous allez sortir de la fonction Seal Creator. Vous allez appuyer sur Exit. Et ce qu'on va faire, on va jouer notre style. On va jouer notre style. Donc ici, sur l'écran, vous allez choisir le style que vous avez enregistré. Ça s'appelle New Style ici. Si vous appuyez sur Start, vous allez voir que le motif batterie va s'exécuter. Et là, qu'est-ce que vous remarquez ici? On n'entend que le motif batterie. Pour pouvoir entendre tous les canaux qu'on a enregistrés, vous allez appuyer sur la touche accompagnement ici. Donc, ces touches-là vont nous permettre de jouer notre style en jouant des accords progressivement en fonction du morceau qu'on souhaite jouer. Donc ici, vous allez appuyer sur le démarrage synchronisé. Vous faites l'accord de Do pour démarrer le style avec les autres canaux qu'on a enregistrés. Voilà, vous voyez que c'est bien lancé. Voilà, là on va essayer de jouer une chanson qui est connue, vous reconnaîtrez certainement. Si vous ne reconnaissez pas, c'est pas grave, c'est juste un exemple. Allez, c'est parti.
Et voilà, c'est la fin de ce tutoriel. Je vous remercie d'avoir pris le temps de suivre ce tutoriel. J'espère qu'à partir de maintenant, vous pourrez créer vos propres beats facilement avec votre clavier arrangeur. J'espère surtout que mes explications ont été claires et concises. Si vous avez des remarques, des commentaires sur des choses que j'aurais oubliées, des notions que j'aurais oubliées d'aborder, qui sont importantes, vous pouvez me l'écrire en commentaire, il n'y a pas de souci. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Surtout, n'oubliez pas de liker cette vidéo, la partager autour de vous. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres tutoriels.